Bonsoir. Merci beaucoup à toutes et tous d'être là. Nous voilà arrivés au terme de ces trois journées, de cette troisième édition des Idées mènent le monde. Je voulais tout simplement vous dire que, en ce qui me concerne, j'avais passé un moment formidable avec vous pendant ces trois jours, que vous avez été l'élément, les gens, ce que j'ai ressenti qui m'a aidé à passer trois formidables journées. Voilà, je voulais vous dire ça. Et on a entendu beaucoup de choses, vous avez entendu énormément d'idées, de possibilités, de gens qui évoquaient des choses possibles ou difficiles. Et je suis sûr que beaucoup d'entre vous ont grappillé ça et là des choses qui vont rester dans votre tête. Dans 2-3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, une phrase va vous revenir. Quelque chose qui vous fera plaisir, quelque chose qui sera un petit bonheur du matin ou une consolation le soir. Voilà. J'ai l'impression que dans tout ce qui a été dit, il y avait quand même des phrases qui vont rester. Et malgré la brièveté de ces trois journées, je pense que les idées mènent le monde durent beaucoup plus longtemps que ces trois journées, que ça dure plus longtemps. Je voulais vous dire autre chose avant de passer à la dernière entrevue. Il y a eu des milliers de gens ici, dizaines de milliers. On n'a pas les comptes exacts. À la conférence de presse tout à l'heure, François Bayrou dira le chiffre exact, puisque tout est compté. Plus de, je ne sais pas, 25 000, 30 000, plus de 30 000. Et c'était incroyable de voir tant de monde qui s'intéresse aux livres, aux idées, etc. Incroyable. Pour ceux qui ne savaient pas ce qu'était la ville de Pau, moi le premier. J'organise des choses ailleurs. Je n'ai jamais vu autant de participation à ce niveau de gens, et à la fois dans le nombre, et à la fois dans l'attention, et à la fois dans cette espèce de bonheur qu'il y avait à être ensemble. C'est quelque chose qui va plus loin que ça. Et donc, ce que je voulais vous dire, c'est que c'est vous, votre présence, l'accueil massif et intéressé et passionné que vous avez porté à ces journées et à toutes les idées qui y passent, qui avait transformé une offre culturelle en événement culturel. Et je dois dire que c'est... Il faut rendre à François Bayrou, je ne dis pas ça parce que je suis son ami, mais je dis qu'il faut rendre à César ce qui est à César. Non, c'est vrai, quand il a organisé, il a décidé de faire cet événement, il avait probablement ressenti que cet événement recueillerait ce que vous avez donné depuis. Et donc, c'est un grand mérite que d'avoir transformé l'invisible en visible. Pau, ces milliers de gens se sont retrouvés, vous tous, nous, se sont retrouvés à vivre des journées extraordinaires. Peut-être qu'on n'imaginait pas que ça puisse être possible ici. Voilà. Et je voulais simplement vous dire ça, que les gens... que vous l'avez ressenti vous-même probablement, que tous les participants ici l'ont ressenti, ont une image de Pau qui était peut-être différente de celle qu'ils avaient en arrivant, que moi je l'ai ressenti comme ça. Et c'est à ce titre-là que je vous dis merci à tous. Alors, ces choses étant dites, nous vous avons réservé des invités exceptionnels pour cette dernière rencontre. Nous avons demandé leur venue à Cyrano de Bergerac, à Don Juan, à Bellamy et au Comte de Monte Cristo. Et ces personnages qui nous ont fait rêver, qui ont fait partie de notre vie, finalement, au lieu de les inviter tous, on a invité celui qui les a incarnés, qui les a fait vivre, qui les a fait plus beaux même qu'ils n'étaient, parfois, tellement il y a mis de passion et de talent à les interpréter. C'est l'exercice que Weber a fait, est un exercice rare dans le spectacle vivant. C'est une qualité qui est... ça tient d'autre chose que le talent. Ça va plus loin que le talent.
C'est quelque chose qui est, voilà, qui tient à une personne, à un texte, à une certaine chimie, à quelque chose d'autre que on ne pourra pas nommer. Donc, on va recevoir Jacques Weber. Quand il parle, il est théâtre. Quand il marche, il est théâtre. Quand il se tait, il est théâtre. Quand il ne bouge pas sur une chaise, il est théâtre. C'est impressionnant de voir quelqu'un qui porte comme ça l'art qui est le sien en lui-même, sans être dans l'exercice du théâtre. Et donc, c'est cette personne-là que nous allons recevoir maintenant. On applaudira peut-être après. Avant, c'est présomptueux. Bon, bonjour. Mais non, c'est pas avant. On vous a vu. On applaudit celui qu'on a aimé. Ah bah c'est gentil. Ah. Mais vous savez, j'ai plus l'âge de Monte Cristo, j'ai l'âge de Faria maintenant. Hein. Voilà. Alors, vous allez bien d'abord ? Merci d'être là. Très bien, j'ai un peu le trac parce que je sais que je passe derrière ce magnifique et brillantissime jeune philosophe. Et je suis toujours très intimidé par les gens qui savent penser et qui donnent l'envie de penser. Et puisque le thème, c'est le progrès, j'ai l'impression que le progrès, ça commence par la remise en place de la nécessité absolue de prendre le temps de penser et donc de se rééduquer à penser. Parce que quand on voit les horreurs qui se passent en ce moment outre-Atlantique, on se dit qu'il vaudrait mieux écouter Einthoven plus souvent. Voilà. Par parenthèse, les bonheurs et les émotions du théâtre font partie de la pensée. Tout à fait. C'est un des... Ce qui, moi, me touche tous les jours que... Enfin, Dieu fait, je ne suis pas si sûr que ça. Un jour sur deux. Non, j'ai quand même la sensation très béotienne, très incompétente, que c'est un des lieux où la pensée est sans arrêt active, bouge sans cesse. C'est ce qui d'ailleurs surprend souvent des dramaturges invités à une répétition. Ils sont toujours tout à fait stupéfaits qu'on n'arrive pas à reproduire tout à fait exactement la bonne répétition de la veille. Mais hier c'était formidable, pourquoi tu ne fais pas pareil? Ben, je fais pareil parce que c'est du théâtre justement. Et parce que comme le disait magnifiquement Louis Jouvet, pour faire une différence entre le théâtre et le cinéma, il disait au théâtre on joue, au cinéma on a joué. Et je trouve ça tout à fait intéressant. Voilà. C'est vrai. Comment avez-vous rencontré le théâtre Jacques Weber? Ben, c'est très parce que pour le porter comme vous le faites, on se dit qu'il y a eu une rencontre quand même. Ben, c'est très bizarre parce que tout le monde après parle de sa passion, de son enthousiasme, etc. Ça me rappelle des histoires de Claudel sous son pilier avec la révélation de Dieu. Moi, c'est deux éléments très bêtes. Un, il y avait un type qui s'appelait Gérard Séti, que vous avez peut-être vu dans Le Docteur, dans Le Van Gogh, de sa dernière apparition, un merveilleux film de Piala. Et Séti avait un numéro de transformiste, avec ce qu'il avait sur le dos, un imperméable, un chapeau, une écharpe, pof, il faisait 40 ou 25 ou 30 costumes à la télévision. La télévision était vue par 10% de la population à l'époque. Moi, j'allais chez ma vieille tante, que je n'aimais pas du tout, pour voir la télé. Mais il y avait la télé. Et ce personnage qui se transformait, c'est le premier émoi dont je me souviens, qui me donne envie. Qui me donne envie de faire des frappes de La Fontaine au lycée, en retournant ma veste pour jouer le corbeau, en la remettant sur la tête pour jouer le renard, enfin des trucs comme ça. Bon, ça c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est l'avare à la Comédie Française. Et c'est pas tellement le type qui joue Harpagon, qui était merveilleux, c'est pas ça. Mais c'est un vrai coup de théâtre de la fin, ce qu'on appelle en termes de théâtre Deus ex machina, c'est-à-dire que il y a une intrigue de plus en plus compliquée, dont Molière arrive toujours, il a toujours du mal à s'en tirer vers la fin, Molière, comme beaucoup de très grands auteurs dramatiques. Et bref, à la fin arrive une espèce de type qui vient d'on ne sait où. Avec un grand chapeau. Il s'était monté à la Comédie Française, il avait un grand chapeau à plumes, il rentrait par le fond du théâtre, et il y avait un grand mouvement de porte, et il faisait « Qu'est-ce, seigneur Harpagon, qu'avez-vous? Je vous vois tout ému. » Et il y avait cette espèce de voix comme ça. Et ça a été vraiment un coup de foudre.
Et comme disait l'autre, croyez-vous au coup de foudre? Pas du tout. Alors vous me permettrez de rester encore un peu. Et donc je suis resté très longtemps. Voilà. Et très bien cette phrase. Et alors vous avez dit à votre frère, dans un des oui. On était dans la même piole, on dormait tous les deux côte à côte et tout. Et je lui dis, Bernard, je monte du théâtre. Bernard Weber, pas Bernard Werber, que vous allez voir tout ça. Oui. Et voilà. Et je dis, je monte et je fais du théâtre. Et à partir de là, j'étais Cœur Vaillant, qui était un peu le scout de gauche. Le scout de gauche, oui. Voilà. Laïque et de gauche. Ouais. Voilà. Et avec les prêtres ouvriers et tout le bassin. Et puis là, au Cœur Vaillant, au patronage, j'ai commencé à monter des spectacles. Et puis après, au lycée où j'étais très mauvais, il y avait un jeune prof qui avait 23 ans, qui tenait le cours municipal du 17e arrondissement. Il avait un élève, qui était Francis Huster. Et le professeur s'appelait François Florent, qui est devenu après la plus grande école, de théâtre de France. Voilà. On le disait tout à l'heure, mais c'est vrai. Est-ce que vous le ressentez, vous, que vous êtes le théâtre quand on vous voit? C'est-à-dire que on dit Weber arrive, on dit tiens, c'est théâtre. Même quand vous êtes ici, on a l'impression que vous êtes le théâtre. Oh, c'était comme la chevelure de Joseph Kessel, c'était le romanesque, vous savez. J'ai un peu cette espèce de chevelure léonine. Oui, mais tout, oui. Je ne sais pas, très honnêtement, mais c'est vrai que ça a toujours été comme ça. Et ça, parfois, ça ne m'a jamais agacé. Mais ça m'a toujours parfois interrogé, parfois fait plaisir, puisque c'est le terrain que j'ai choisi. C'est et obligé, terrain. Peut-être. Aussi. Mais je ne sais pas, il y a des fois où je dis, mais pourquoi? Et c'est d'autant plus emmerdant, c'est que parfois, dans notre métier, que ce soit au cinéma ou au théâtre, la grande critique, c'est « Ah, oh, tu fais théâtre !» Vous voyez, cette espèce de façon de rôder très bizarre, très curieuse, très maladroite, très, très anecdotique autour d'un pseudo naturel. Le naturel n'est intéressant que s'il est recomposé, et dans le meilleur des cas, transcender, en tout cas, que ce soit d'ailleurs au théâtre ou au cinéma. Non, Gérard Depardieu, qui est un génie, n'est pas naturel, c'est faux, ça ne veut rien dire. Il dit son texte comme il jouerait du Jean-Sébastien Bach. Jamais un grand acteur ne marmonne. Jean Gabin disait merveilleusement son texte. Blier disait comme du Shakespeare, Audiard. Donc, toute cette espèce de tendance à « quelle heure-t-il, passe-moi le beurre ?» Ce serait un don naturel. Oui. Qui nous assomme, et de temps en temps, ça... La théâtralité fait peur. Alors peut-être que moi aussi, j'ai des progrès à faire. Peut-être que parfois, j'ai eu tendance, par timidité, par nature aussi, à être ce que l'on appelait en Italie « un attore trombone ». un peu comme ça. Et d'ailleurs, j'étais peut-être un petit peu comme ça. Et quand je ne suis pas en forme, je suis peut-être encore de temps en temps. Voilà. Mais quand je fais attention, je crois que ça va mieux quand même, oui. Vous avez d'ailleurs, jamais... à propos du progrès, oui. J'ai toujours dit que, parce qu'on me demande parfois, pourquoi tu vas vers des metteurs, pourquoi vous avez tant changé, pourquoi vous allez vers des metteurs en scène extrêmement exigeants, voire moins grand public et tout. Et je dis toujours ces deux mots, je dis promesse de progrès, donc promesse de bonheur. Voilà, pour moi c'est très simple. Si j'ai une promesse de progrès, j'ai une promesse de bonheur. Voilà. Vous avez jamais varié dans votre votre volonté par rapport au théâtre? Oui. Non, mais simplement, j'aimais beaucoup le mot de Denis Podalydès. Je me souviens qu'il avait dit, mais moi j'aime tous les supports de mon métier. C'est-à-dire, je peux jouer à la télé, je peux jouer au cinéma, je peux jouer au théâtre, je peux jouer à un petit théâtre dans une grande salle, dans une salle désaffectée, dans le fond d'un bistrot. Ouais. Voilà, tout. Il suffit de tracer à la craie un cercle qui délimite l'espace public et l'espace de la représentation, et le théâtre existe. Alors, vous dites, j'ai ressenti des émotions au théâtre que je n'ai jamais ressenties ailleurs. À l'opéra, j'ai écouté la Callas avec ferveur, mais les émotions anormales, vous dites, anormales, au-dessus de tout, c'est au théâtre que je les ai connues. Oui. quel genre d'émotion a-t-il connu? Si vous voulez, dans l'opéra, il y a une relation directe avec cette tentative d'exprimer l'inexprimable, enfin cette relation mélodieuse
donc purement sensuel. Quand Wagner fait des grands textes sur la pensée nécessaire, la philosophie de la musique, parfois, c'est pas là où est son génie. Son génie, c'est dans l'expressivité de sa musique. Enfin, je m'embarque un peu, mais c'est ce que je ressens, en tout cas. Je crois qu'il y a quelque chose de plus directement accessible dans la séduction, dans le rapport de séduction entre l'opéra et le spectateur, l'auditeur, enfin entre la chanson, on le constate tout le temps, à tout moment, entre la danse également. Par contre, intervient de façon extrêmement prioritaire le sens au théâtre. Et là, c'est très très bizarre, parce que le sens est très fort, mais ce sens prend chair, corps et sang, et c'est lui qui conduit l'émotion. Voilà. Et donc cette espèce de paradoxe étrange qu'il y a entre le monde pensé, le monde et le monde sauvage. D'ailleurs, l'intervention de l'acteur se situe là, se situe entre une pensée extrêmement précise et forte et une part libérée et sauvage et extrêmement dangereuse. Quelqu'un disait l'autre jour à propos du théâtre cette phrase magnifique : il faut avoir l'acuité du regard de l'aigle et le somnambulisme de l'intuition. Et ça, je trouve que c'est dans cet intervalle qu'il faut intervenir. Et très souvent, les dramaturges dont on a besoin, ceux qui vont nous éclairer le sens, il faut se méfier au théâtre comme partout, rappelons-nous le bien, du généralisme. Ah, oh, ben c'est formidable, Molière, c'est tellement actuel, c'est formidable, c'est vachement actuel, Molière, c'est pas actuel du tout. C'est pas actuel du tout, c'est le 17e siècle, point. Victor Hugo, c'est pas actuel du tout, c'est le 19e. Mais il y a des espèces de thèmes éternels, ouais. et c'est parce que ces types sont on ne peut plus de leur époque qu'ils ont des chances qu'émerge une forme d'intemporalité, ce qui est complètement différent. Et pour en venir à ça, donc, il faut lire, mais maladivement, scrupuleusement, le texte dans ce qu'il exprime comme sens et dans la rythmique de sa partition. La ponctuation fait sens aussi. Alors tout le problème, c'est de savoir que c'est une ponctuation reconstituée par l'éditeur, qui a changé au fil du temps, au fil des lecteurs. N'oubliez pas qu'il y avait des copistes temps de Molière, on n'a pas les originaux. Shakespeare, n'en parlons pas, etc. Bon. Mais la ponctuation, c'est très très intéressant. Et dans le théâtre contemporain, c'est évident qu'elle fait sens. Hein, voilà. Et à partir de là, on est aidé par le point de vue littéraire, le point de vue philosophique qui est amené par le metteur en scène et par le dramaturge. Mais comme me disait un jour un dramaturge, je trouvais ça magnifique, il disait, mais peut-être qu'au bout du compte, les questions auxquelles nous ne pouvons pas répondre, seul l'acteur sauvage y répond. Dans sa façon de traverser le temps présent de la représentation. Sa présence. Même. Ici et maintenant. Finalement, si on veut s'amuser à... non pas à créer des concepts, j'en suis bien incapable, surtout après le monsieur qui était là, mais comme ça, pour s'amuser, pour faire le beau, j'ai envie de dire qu'on ne peut pas jouer la comédie. On ne peut qu'être ici et maintenant. Mais ici et maintenant avec quoi ? Traversé par un texte, réconforté par l'étude scrupuleuse maladive de ce texte, mais on ne fait qu'un avec tout ça. Et ce un va vivre ici et maintenant avec les incidents de la représentation, la voix altérée ou non altérée, le beau temps ou le mauvais temps à l'extérieur, les nouvelles. J'ai joué le lendemain du Bataclan et j'ai joué le lendemain de l'horreur de Trump. Donc c'est des choses qui interviennent énormément dans le cours de la représentation. Oui, c'est une électricité différente. Ouais. C'est ce qui fait toute la formidable beauté, la vigueur et le fait que ça ne s'arrêtera jamais. Lorsque on développera de plus en plus l'interactivité, la virtualité, on jouera. Ce qui sera encore très beau, c'est de voir un type en chair et en os. La voix blessée, la fatiguée, du moins, du moins c'est ce que je souhaite. C'est magique, c'est quelque chose de oui, tout à fait. De magique. C'est incidentel, le rapport avec le théâtre. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas complètement. Il y a un mystère. La perfection n'est pas là. Ouais. Vous savez, il y avait une grande discussion entre Glenn Gould, le pianiste, et Isaac Stern, le violoniste. Et il se bagarrait parce que Glenn Gould lui prétendait qu'on pouvait atteindre la perfection dans l'enregistrement en studio. Et il disait les concerts, c'est fini, c'est terminé. Et Stern disait non, justement, ce qu'il y a de,
Bon, où est la vérité? En tout cas, elle n'est pas dans le dogmatisme, elle n'est pas dans la théorie, elle est dans le génie de ces deux individus, quoi. Elle se balade entre les deux. Vous avez été seul en scène pendant toute une époque et vous aviez choisi quelques j'en venais à l'origine textes. Du théâtre, car voilà. Comme vous le savez, le protagoniste, ça vient de protagoniste, qui était le seul acteur professionnel en Grèce, amateur et libéré de ses droits de citoyen à Rome. Et il était tout seul. Et ensuite, le cœur est arrivé. Ensuite, il y a eu le deudagoniste, je ne sais plus. Puis après, le triagoniste. Enfin, ça s'est après augmenté petit à petit. On sait pour blaguer, c'est pour faire le mec qui connaît deux, trois choses. Oui, mais vous aimez bien paraître. Un côté comme ça. Weber, quand même, c'est Weber, quoi. Bah, il ne faut pas déconner. Dites. Alors. Vous avez choisi, je disais ça parce que vous avez choisi quelques textes que vous lisiez. Et alors, il y a un texte de Paul Claudel qui s'appelle « L'échange » et je voudrais que vous le lisiez parce qu'il y a dans ce texte-là, que vous ne l'avez pas choisi par hasard évidemment, beaucoup de choses sur ce que vous venez de dire dans les relations entre l'acteur et le texte et les gens. Oui, ce qu'il a de particulier, ce texte, c'est que c'est un montage que j'ai fait à partir du rôle de Lady Elbernon dans « L'échange ». Et c'est d'une simplicité absolument confondante et je trouve que tout est dit. Et pourtant, je suis, hélas d'ailleurs peut-être, je ne suis pas un fou de Claudel du tout. Je trouve, je n'aime pas son adjectivation. J'étais très étonné de voir que c'était Claudel, franchement. Oui, parce que c'est tout simple et que ce n'est pas forcément toujours tout simple, Claudel. Mais bon, je me fais engueuler par les Claudeliens, donc vaut mieux que je me taise et que j'essaie de vous le lire. Je vais très mal le lire parce que je ne suis pas sur mon terrain. On va se débrouiller, non, en plus avec ce micro qui... Oui, c'est ça. De toute façon, je crois que je le sais encore par cœur. Je suis acteur, vous savez. Je joue sur le théâtre. Le théâtre, vous ne savez pas ce que c'est. Il y a la scène et la salle. Tout est en clos. Les gens viennent là, le soir, et ils sont assis par rangée, les uns derrière les autres, regardant. Ils regardent le rideau de la scène et ce qu'il y a derrière quand il est levé. Et il arrive quelque chose sur la scène comme si c'était vrai. C'est ainsi qu'ils viennent au théâtre la nuit. Je les regarde et la salle n'est rien que de la chair vivante et habillée. Ils garnissent les murs comme des mouches jusqu'au plafond et je vois des centaines de visages blancs. L'homme s'ennuie et l'ignorance lui est attachée depuis sa naissance. Et ne sachant de rien comment cela commence ou finit, c'est pour cela qu'il va au théâtre. Et il se regarde lui-même, les mains posées sur les genoux, et il pleure et il rit. Et il n'a point envie de s'en aller. Et je les regarde aussi et je sais bien qu'il y a là la mère adultère dont l'enfant vient de tomber malade et celui qui vient de voler pour la première fois et celui qui n'a rien fait de tout le jour. Et il regarde et écoute comme s'il dormait. C'est ainsi que je monte sur la scène, je n'ai point honte et je suis tout à tous. Ils m'écoutent et ils pensent ce que je dis. Ils me regardent et j'entre dans leur âme comme dans une maison vide. Et quand je crie, j'entends toute la salle gémir. On n'avait pas besoin de... No comment. Voilà. C'est très beau ce texte, c'est très beau. Et la lecture en était voilà. On va trouver l'adjectif à la fin. À un moment dans ce livre aussi, vous citez Flaubert et vous et, ah voilà. Et dans la définition la douche pour des éléphants, voilà, ça c'est génial. Dans la définition de ce que doit être l'acteur. C'est vous qui avez choisi le texte aussi. Hein. Il faut du sang dans les phrases, et pas de la lymphe. Je dis du sang, c'est-à-dire du cœur. Il faut que ça batte, il faut que ça palpite, il faut que ça m'émeuve.
faut faire s'aimer les arbres. Faire s'aimer les arbres. Tressaillir le granit. Et tressaillir le granit. C'est magnifique. Hein, oui. Alors, et ça, alors, est-ce que vous le prenez à votre charge, ça ? Oui, oui, mais attention. Comme disait Jouvet, à un moment, Pierre Brasseur répétait avec lui, et il lui dit, mais faut les tripes, Louis, merde, faut les tripes, faut y aller, quoi, faut foncer. J'aime bien les tripes quand elles sont bien accommodées. méfions-nous du trop de sang. D'ailleurs, Flaubert en est l'exemple type, puisque ça, ce que l'extrait, l'art n'est pas un déversoir à passion, un pot de chambre un peu plus propre, c'est magnifique ça. Et vous savez ce qu'il dit sur la démocratie ? Je crains. Si le rêve de la démocratie est d'élever le prolétaire au niveau de la bêtise du bourgeois, alors je dis à bas la démocratie. Mais pour en venir à Flaubert, ce qu'il y a de formidable, c'est qu'il nous donne exactement cette espèce d'équilibre funambulesque qu'il y a pour un acteur, puisque vous avez le Flaubert de la correspondance, ah oui, en pleine liberté, en pleine sauvagerie, qui, selon certains, n'avait même pas conscience qu'un jour il serait édité. C'est ce qu'il a dit. D'autres disent non, il était tellement cabot qu'il savait qu'un jour ou l'autre. Mais enfin, est-ce que vous vous rendez compte que cette œuvre représente trois doubles volumes de la Pléiade et un simple volume, enfin, c'est énorme. Et alors qu'il y en avait déjà de brûlés par son ami. Et d'autre part, vous avez le travail, les heures et les heures, 5 jours pour faire une page, et je ne suis même pas sûr qu'elle soit bonne. Je voudrais un style qui se tienne comme la terre sans être soutenue se tient en l'air. C'est formidable. Et cette espèce d'épuration, exigence. Maintenant on dit, exigence. Allez, à l'os, cette espèce de nudité de la phrase, de simplicité scrupuleuse, et la débandade, l'abondance de sa correspondance, c'est dans cet équilibre, moi, que quelque chose me parle en tant qu'acteur. C'est bizarre qu'il ait écrit ça quand même. Hein, c'est tout le monde. Enfin, moi, je reste encore, puisque d'ailleurs, il m'a été permis. On m'a demandé d'écrire quelque chose à ce sujet, de faire une espèce de biographie romanesque de Flaubert. Et je suis toujours très interrogé par cette espèce d'ambivalence, presque de schizophrénie, quoi, insondable. Qui est complètement fou, complètement folle. Ouais. Ah ouais. Alors, et lui aussi, vous savez, vous, qu'il était fou de théâtre, et là, il s'est planté comme un fou, comme Stendhal, comme beaucoup d'autres. Et moi, et puisque vous parliez de Monte Cristo, ça, c'est très étonnant. J'ai donc fait à la télévision, puis après j'ai décidé de l'adapter au théâtre. Et personne ne peut contester, d'abord c'est un immense auteur, au même titre que Flaubert, que Hugo, il faut arrêter de le laisser aux enfants, c'est une ineptie, et qu'a un génie du dialogue absolument incontestable qu'on retrouve dans ses romans. Mais comme vous le savez peut-être, à l'époque on avait, la mode était à l'adaptation par les auteurs eux-mêmes, de leurs grands romans à succès, comme Jules Verne aussi, par exemple. Et là, moi, donc, comme je devais faire l'adaptation de théâtre de Monte Cristo, j'ai été voir un peu à la BN, Bibliothèque Nationale, ce qu'il en était. Il avait écrit une adaptation qui durait 4 jours, et les critiques ont écrit, je sais si j'aime pas les citer, ceux-là, mais enfin, bon, bref, c'est le conte de Monte Fiasco. Et là, non, mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on se rendait compte que cet homme qui avait le génie du dialogue dans la pampa, dans l'univers immensément vaste du roman, dans les contraintes de la dramaturgie théâtrale, il n'y arrivait plus. Et il devenait très lourd, très, très centré. C'est très curieux, comme il n'avait plus sa liberté, son évasion. Puis son calme. Alors même que d'autres, c'est absolument l'inverse qui s'est passé. C'est fou, hein. Est-ce que quand vous avez joué Cyrano, qui est votre rôle, je sais pas, je pense que, de mémoire, pour avoir lu quand même beaucoup de choses sur le théâtre, je pense qu'il y a eu très peu de gens, même dans les décennies passées, à avoir capté l'accord unanime du grand au petit, du pauvre au riche, sur votre rôle de Cyrano. Et est-ce que vous avez, si vous voulez, mis en pratique le Flaubert qu'on vient de lire pour l'interpréter ou pour le placer, pour l'incarner. Moi, je crois justement que si ce
peu, et bon, je ne vais pas faire le faux modeste, c'est vrai que ça s'est bien passé. Ça a marqué. Ça s'est bien passé, oui. Et que j'ai marqué un petit peu la chose. Mais je crois que ce qui était formidable, c'est que j'étais totalement inconscient. Inconscient. Alors que là, je ne le suis plus du tout. Mais j'avais 30 ballets. Donc ça aussi, c'était très différent. Toujours, Cyrano avait été joué magnifiquement par des gens d'un certain âge, oui, c'est vrai, avec une grande technique théâtrale. Et c'était toujours joué de façon parfois un peu moraliste, un peu donneur de leçons. Ah non, c'est un peu court, jeune homme. Et Daniel Sorano, merveilleux, Pierre Dux, et j'en passe, bon, etc. Et je pense très humblement avoir été le premier à l'avoir joué d'abord très jeune. D'autre part, à l'avoir joué avec un poète naïf, magnifique, que je salue, qui nous a quittés, Jérôme Savary, qui tient une immense place dans l'histoire du théâtre, et même dans les ramifications. Je pense que le génie de Jérôme Deschamps ou de gens comme ça, ça vient des textes, ça vient de Tati, mais ça vient aussi de Savary, du Magic Circus, tout ça. Bon. Bref. J'ai eu cette chance, et je vais vous raconter des anecdotes dans la façon dont il nous dirigeait. Mais ce qui peut-être a fait que j'étais vraiment pas trop mal là-dedans, c'est que j'étais fou allié, mais fou. Quand je disais, toi du charme physique et vainqueur, prête-moi, il faisait un loup de aérodrome, mais personne ne dit, il est fou. Et je faisais des bonds de 2 mètres, enfin, j'avais une espèce d'énergie, mais terrible. C'était une espèce de héros flamboyant, fragile, mais fiévreux comme ça, mais de 30 berges avec une énergie considérable. Bon, voilà. Si maintenant j'avais à le mettre en scène, à le revoir, d'ailleurs je l'ai remis en scène, je verrais ça sans doute différemment, et j'aurais une conscience très aiguë du rôle et de la pièce qui d'ailleurs ferait que je prendrais une peur terrible. Mais je crois que c'est ça qui a marqué, c'était un enthousiasme fou, quoi, fou d'amour pour ce texte qui, d'ailleurs, bizarre, c'est un mystère, c'est un OTNI, un objet théâtral non identifié. Car au moment où Rostand écrit Cyrano, au même moment, Alfred Jarry balance Uburois. Enfin, c'est un vieil hommage à un théâtre qui, d'ailleurs, n'a pas marqué l'histoire du théâtre, qui est le théâtre romantique, Hugo et compagnie. C'est tout à fait troublant. Et cette pièce est encore, on l'a encore vu dernièrement avec Philippe Torreton, avec Michel Villermoz et tout ça, continue à bouleverser, à faire pleurer toute classe sociale confondue et tous les gens. Enfin, c'est quelque chose d'inimaginable. Non, mais je vais vous raconter quand même un truc. Parce que le théâtre, c'est ça quand même. Jérôme Savary, contrairement aux apparences, était très timide et moi, n'en parlons pas. Et un repas est organisé pour qu'on fasse Cyrano ensemble. Et Savary avait une habitude, c'était toujours dire « Moi, je découvre la pièce une fois que je l'ai montée. » Il lisait pas les pièces. Et je le savais, mais lui, il savait pas que je le savais. Et il arrive, il me fait « Mais chouchou, j'ai relu 28 fois la pièce. » Et il commence à s'embarquer. Bon, je le coince 2 ou 3 fois, je vois qu'il avait rien lu. Mais des coups de génie incroyables sur les entrées, etc. Sur des trucs de mise en scène magnifiques. Et puis, à un moment, il me dit « Non, le problème, chouchou, c'est qu'il faut trouver un nain pour jouer le rôle du nez. » Et là, je me dis, on est foutu, on va faire un Cyrano parodique et tout, quoi. C'est pas possible. Ah, tout. Oui, donc ça. J'appelle les producteurs, je dis, mais il est fou allié, mais moi je veux pas faire ça. Moi je veux pas un nain qui joue le rôle du nez, moi je veux jouer ça sérieusement. Donc voilà, ça a commencé comme ça. Mais après, il m'a dit des choses magnifiques. Je me souviens que comme beaucoup d'acteurs, je me faisais avoir par ma propre émotion dans le 5e acte. Cet acte qui est d'ailleurs, entre parenthèses, très ambigu, parce que c'est quand même un monsieur qui ne parle que de son malheur, alors même qu'il a mis dans un malheur extrême la dame à qui il Bien parle. Sûr. Donc c'est quand même assez troublant tout ça. Mais c'est en cela que c'est très humain. Mais très souvent, parce qu'il y a « je me bats, oui, vous m'arrachez tout », tout le monde hurle un peu et bon. Et surtout, tout le monde s'émeut. Non, non, mon cher amour, je ne vous aimais pas. Oui. Et tout le monde pleure beaucoup sur lui-même. Et donc j'avais cette tendance-là, très pleurnicheuse. Et Savary me dit, tu sais, chouchou, quand mon père allait mourir, il nous a convoqués à l'hôpital. Il avait demandé aux infirmières des petits gâteaux et il a fait champagne. Ça, c'est des conneries. Ça paraît des conneries. Mais c'est ça qui vous aide un acteur.
C'est un type qui vous dit, comme Gruber, le hélas racinien, c'est un souffle sur une plaie. Ben, moi, ça m'aide. Alors après, tous les discours théoriques m'emmerdent. Mais quand les poètes s'emparent de la théorie, là, ça commence à devenir intéressant. Voilà. C'est ça, le théâtre. En fait, c'est ça. Le théâtre, c'est ça, c'est la poésie qui s'empare de la pensée et du théorique. Vous avez glissé dans ce rôle, vous avez pas tout contrôlé, vous êtes laissé... Bah, à un moment, non, mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une bêtise, c'est que, alors que tous les grands spécialistes de l'opéra me disaient « faut surtout pas faire ce que tu fais », je l'ai joué 7 fois par semaine, c'est-à-dire que je jouais mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi 2 fois, dimanche matinée 3 heures. Donc pour la voix, c'est comme si quelqu'un chantait la Norma ou Traviata tous les jours, et ça pendant 200-300 fois. Et donc qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, j'ai fait comme pas mal d'acteurs qui font ce genre de bêtises, et dépression nerveuse et phobie vocale, c'est-à-dire la voix part en arrière, mais en même temps un mal pour un bien, c'est-à-dire que étant totalement privé et démuni de mon instrument, il a fallu que je le recompose, que je cherche ailleurs. Que je cherche ailleurs, et c'est peut-être là où j'ai commencé à m'évader de l'acteur trombonné dont je parlais tout à l'heure. Voilà. Vous avez cherché à l'intérieur de vous. Bah oui, parce que quand votre voix est là, faut vraiment qu'il y ait une intensité, quelque chose qui la fasse accepter, quoi. Vous êtes certain que c'est l'usage abusif de votre voix ou bien c'est autre chose? C'est-à-dire que vous aviez été complètement rentré dans un tourbillon tel que... Oui, oui. Je me méfie toujours de ce qu'on pourrait appeler le psychanalysme. Non, hein, mais ce qui est vrai, c'est que certains ont dit qu'il fallait bien qu'un nez pousse quelque part, quoi. C'est-à-dire qu'il y a peut-être que quelque chose... Il y a une faille qui s'est révélée. Parce qu'en fait, Cyrano, c'est quand même ça, cette espèce de dualité entre être et paraître, cette espèce de façon très très claire de bien couper le problème entre l'esprit et le corps. Et peut-être ça a touché quelque chose chez moi qui n'était pas résolu entre ma pensée et mon corps et la façon dont je me voyais. Parce qu'après tout, est-ce que Cyrano vraiment a un nez aussi insupportable ou est-ce que c'est lui qui, le voyant, l'imagine insupportable? Voilà, c'est toutes les thématiques qui nous touchent tant, d'ailleurs, je crois. Oui, parce que vous êtes tellement rentré dans le personnage qu'on se dit que les fragilités du personnage, finalement, vous ont atteint en même temps que le triomphe. Le triomphe? Non, parce que vous avez connu un triomphe, la vérité. Ah bah oui. Des années après, on en parle encore. Oui, non, c'était pas mal, oui. C'est vrai, oui. Voilà. Bah oui. Vous dites ça avec une bonne voix, aujourd'hui, je trouve. Oui. Alors, à un moment, vous définissez les limites que vous avez aperçues comme acteur. Et vous dites, même si j'arrive à embarquer le spectateur, et même si j'arrive à fédérer un public entier, je sais qu'il ne restera dans la tête de chacun qu'un petit bout secret, un petit bout de gras, un petit bout de sang. Et dans les spectacles, dans tout fait qu'ont regardé une collectivité, il y a cette chose qu'il ne faut jamais oublier. C'est le rassemblement d'un millier de gens, de rythmes très différents et très intimes. Ce grand mystère me frappe de plus en plus. Il nous faut à tout prix croire qu'on est parfois tous ensemble, qu'on n'est pas chacun des animaux solitaires. Mais l'aventure artistique vécue par le spectateur et l'acteur est avant tout singulière et personnelle. C'est-à-dire que quand vous parlez à 1000 personnes dans un très grand théâtre, votre aventure est personnelle et l'aventure du spectateur est personnelle, bien qu'on soit 1001 dans la salle. Je crois que c'est Stanislavski qui avait parlé de la coquille de l'escargot, et en parlant des acteurs, et que la seule chose qui pouvait nous sauver, c'est cette espèce d'isolation qui se fait mal, enfin, qu'il faut réussir à tout prix à mettre en place lorsqu'on rentre en scène. Protection. Cette espèce de... Mais en même temps, c'est ça qui est très compliqué. Pierre Brasseur disait, je vous prie de m'excuser des termes employés, mais il avait dit une chose qui m'avait beaucoup touché. J'étais acteur débutant, j'avais 15 ans et demi, je jouais à côté de lui. Et il m'avait dit, la différence il y a entre les répétitions et la représentation, en répétition, t'as trois têtes de con, en public, il n'y en a plus qu'une. Et je trouve que ça émettait, je vous demande pardon, mais ça émettait une vérité formidable. C'est-à-dire que
en répétition, c'est très disséminé. Et d'un seul coup, là, le noir, même si des gens n'aiment pas ça, j'irai très vite, mais me fait penser immensément au taureau, quoi. Un taureau avec mille aortes, mille cœurs, mille dangers. Oui, je ne le connais pas. Je ne connais pas cette masse noire. Petit à petit, je la sens. Elle a plus de propension vers la détente, vers le rire. Tout ça se sent petit à petit, se conjugue ensemble. C'est l'œuf et la poule. Vous et moi, on ne fait qu'un, oui, mais lequel, comme disait Oscar. Oscar, ouais. Ouais, bon, voilà. Avec ça, on n'est pas dans la merde. Et ce qui est terrible en même temps, et ça, c'est une chose qui me sidère, c'est que je sais qu'au moment où je parle très secrètement, quelque chose m'envahit, quelque chose résonne en moi, quelque chose revient, une image. Moi, j'ai vécu quand même pas mal de choses. Ça fait 50 ans que je joue. J'en ai vécu des trucs. Donc, je sais les images qui viennent sur une phrase et qui l'embarquent. C'est là où il faut la tenir. Mais en même temps, c'est cette émotion très, très frémissante qui fait le soutien. Ce qui est formidable, c'est ce qui fait le soutien du jeu d'un grand acteur, c'est le fait de la reproduction du travail et le fait de l'incertitude de l'instant et de l'intuition. Et il y a plein de choses très douloureuses ou très drôles qui vous reviennent, qui viennent vous frapper la tête. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'au même moment, dans la salle, il y a des gens qui vont retenir telle ou telle phrase parce que ça fait très précisément telle ou telle écho référence à leur privé. Donc, on est en fait très bien, encore plus seul, mais tous ensemble. Voilà, je crois que c'est une bonne définition. Ça synthétise un peu ce que je voulais dire. On est tout seul, mais tous ensemble et mieux. Voilà. Je ne sais pas si vous avez vu comment Jacques Weber joue bien Jacques Weber. Je ne sais pas. Franchement, il est inimitable dans son imitation. Est-ce que le théâtre, je voudrais savoir comment vous l'avez ressenti, vous, parce que comme vous êtes acteur, vous jouez, si j'ose dire, et vous incarnez, vous jouez, donc vous modulez la réalité. Est-ce que c'est un endroit de vérité ou un endroit de falsification? Alors, il y a une phrase qui est célèbre, que je vais malmener. Je retourne toujours dans cet endroit où tout est faux pour être vrai, sachant que c'est le seul endroit où tout étant faux, je serai encore plus vrai. C'est, je crois, Coltès qui a dit ça, mais je trouve ça magnifique. Et c'est d'autant plus magnifique qu'à l'heure actuelle, nous qui sommes dans un monde forcément vrai, qui devient totalement faux, c'est tout à fait intéressant de savoir que nous sommes à l'inverse, quoi. Et ça, on est l'image renversée du monde dans ce sens-là. Et moi, je suis horripilé, pardon, ça y est, je m'emporte. Et je n'en peux plus quand on me dit que les politiques sont des bons comédiens. C'est une insulte pour mon boulot. Non, mais parce qu'ils n'ont pas à l'être. Parce qu'ils n'ont pas à l'être. Parce que d'abord, ils n'interprètent pas un texte. C'est pas leur fonction. Ils inventent, ils n'interprètent même plus une pensée maintenant. Ils sont dominés par la nécessité du slogan. Et c'est le slogan qui détermine leur pensée. Quand on sait qu'un slogan est forcément bête parce que rapide et binaire, bah leur pensée devient bête et binaire. Pas tous. Dieu merci. Je ne vous savais pas populiste comme ça, moi. Ce n'est pas du populisme, ça. C'est extrêmement concret et précis. Seulement, on n'a pas le temps de l'expliquer bien. Oui. Mais bon. Je pense qu'Eindhoven l'expliquerait beaucoup mieux que moi. Ça. Oui. Mais il le dirait moins bien, peut-être. Vous avez vécu avec des grands textes tout le temps, depuis l'âge de 15 ans ou 16 ans. Les répétitions, voilà, ça occupe combien d'heures de votre journée? La grande majorité, évidemment. Et alors, je me disais, mais comment on peut vivre une vie normale, sa vie en fait, sa propre vie, lorsqu'on a comme occupation principale, d'incarner quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est embarrassant ou au contraire, lorsque vous avez votre propre vie, vous êtes nourri de... Mais moi, je crois très, très, très simplement que j'ouvais,
mais Jouvet est toujours cité par tout le monde. Bah, c'est pas pour rien. Et dans un vieux film qui était Entrée des artistes, il disait « N'oublie jamais que le théâtre commence quand le rideau se lève et s'arrête quand il se baisse ». Il ne faut pas tout confondre. Ouais. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec les gens qui disent « je suis totalement le personnage, nanana, le rôle m'a bouffé, nanana ». Mais le rôle, je ne crois pas toujours. Je pense qu'il faut beaucoup de distance, de pondération entre le rôle et soi. Ça demande une telle énergie de rentrer en scène que vraiment, on a le droit de ne pas du tout d'être totalement déconnecté à côté de ce moment très physique, très engagé. Alors, à partir de là, force est de constater que malgré tout, ça travaille. Malgré tous les textes travaillent en vous. Vous n'avez pas de dire, que vous n'êtes jamais sorti du théâtre en disant « je suis Cyrano ». Non, jamais. Jamais. Je crois qu'un jour, je suis sorti avec le nez. Parce qu'il était tellement bien fait que je l'oubliais, il pesait moins d'un gramme. Et les gens me regardaient bizarrement. Puis là, j'ai dit « oh merde ». Voilà. Oh, vous savez l'histoire. Allez, je vous raconte une autre histoire, histoire de rigoler un peu. Mais la dernière de Cyrano. Alors, bon, magnifique, c'était la dernière. Donc, tout le monde applaudit, les gens debout, bidule, les fleurs, les trucs, les machins. Et puis vraiment, ça durait, quoi. C'était vraiment un hommage qui me touchait beaucoup, c'est vrai. Et à un moment donné, je dis, j'en pouvais plus. J'ai pensé, comme quoi on pense à tout, j'ai pensé à Johnny Hallyday. Ça alors. Et je prends mon nez, je déchire. Lancé à la foule. Oh. Et je jette mon nez dans la foule. Eh bien, est-ce que vous savez sur qui il est tombé? Ça, c'est quand même une histoire vraie. Laetitia. Non. Sur les genoux de celui qui allait le jouer à mes côtés, moi jouant le rôle de De Guiche, Gérard Depardieu. Oh. Vous êtes fort. Hein, vous êtes fort. C'est inouï. Non, mais c'est inouï. C'est une histoire inouïe. Alors non, pour être plus sérieux, oui, ce qui est vrai, c'est que moi, j'ai envie de dire un truc tout bête. C'est que c'est comme la culture. Ça aide à vivre de fréquenter les beaux textes. Et plus les gens, si les gens avaient le temps, si les gens n'avaient moins de fatigue pour s'exercer aux beaux textes, si on ne les tirait pas tout le temps vers le bas, ils vivraient mieux. Pourquoi? Parce que quand je lis Flaubert ou quand je lis, mais je ne sais pas, là en ce moment je lis Botostros autour de la pièce que je suis en train de jouer, ou quand j'en lis beaucoup, et ben, d'un seul coup, si je me promène en forêt, j'aime plus les arbres que je vois parce que je peux mieux les identifier parfois. Mmh. C'est magnifique de connaître le nom des arbres et des fleurs. Alors, je ne les connais pas. J'en suis pas encore là, mais ce que je veux dire, c'est lorsque la littérature vous aide à reconquérir le rêve que vous avez lorsque vous promenez, lorsque vous voyez la rue, lorsque vous entrez, vous achetez une baguette de pain ou vous êtes dans un super. Il y a cette espèce de transcendance du réel, que ce soit au 19e ou chez Annie Ernaux qui parle d'un supermarché, il y a quelque chose qui aiguise le regard, qui le transforme, qui l'adoucit, qui l'embellit et qui fraternise. Voilà. Alors, vous avez une autre réflexion, toujours dans ce livre. Là, j'aurais aimé être un rebelle. Par parenthèse, vous êtes pas mal quand même. Mais on peut avoir toujours des regrets, mais bon. Vous dites que le problème de l'art et des belles phrases, c'est que j'ai passé ma vie à dire de beaux textes, à glorifier des sentiments nobles, à faire des héros, des gens formidables, à vivre avec des héros. Et puis, pendant tout ce temps-là, pendant les décennies où j'ai fait ça, les injustices ont été multipliées, etc. Il y a un moment où je me dis, quand même, est-ce que c'est bien ce que j'ai fait? C'est vous qui vous posez la question. Je pense, j'ai l'impression, j'ai la sensation très profonde que c'est quelque chose qui traverse tous les honnêtes gens. L'honnête homme au sens classique du terme. Je me rappelle ce magnifique poète qui m'émeut encore, c'est Étienne Rodagil, qui écrivait de si belles chansons et qui avait écrit cette chanson « Je voudrais être utile », cette notion de l'utilité. Alors, on rêverait tellement de l'être utile et on sait tellement, mais finalement, dans un premier temps, on se dit « je ne le suis pas du tout » et pourtant, cette espèce d'homéopathie de la conscience travaille quand même, je veux le croire. Ce que je fais là en ce moment, ne serait-ce que de communiquer, d'essayer de transmettre quelque chose auquel je crois, c'est un micron
Mais on sait très bien qu'une cellule qui est détraquée peut bouger tout, peut bouger le monde. Donc voilà, c'est comme ça que je m'en tire, je m'en sors. Mais c'est vrai que, comme disait Villard, ce n'est pas le théâtre qui fera la révolution, c'est la révolution qui fera le théâtre. C'est quand même c'est vrai, c'est un constat qui est réel. Il n'existe. Mais en ce moment, on se rend compte que vous avez des tentatives de manifestation très poétiques, où on a remplacé le slogan par des images, par du théâtre de rue. Le théâtre de rue marche de mieux en mieux. Les gens ont de plus en plus envie de s'exprimer. Le statut d'amateur, d'ailleurs, c'est un des grands problèmes actuels, parce qu'il y a une confusion. Une confusion qui parfois tire à la médiocrité, mais qui parfois emmène vers l'excellence. Mais le statut d'amateur devient de plus en plus répandu, de plus en plus de gens ont envie, non pas de regarder du théâtre, ça et là, il y en a presque de moins en moins, mais de participer, il y en a de plus en plus. Ah oui. Et dans ce sens-là, c'est une libération de la part personnelle, de la part culturelle et sauvage de chacun, qui est tout à fait qui est un progrès. Ouais, qui est un progrès. Juste une minute, ça va mal le théâtre en ce moment, chaque fois qu'on lit les papiers. Alors là, il faut faire très attention à ce qu'on raconte. C'est très très délicat. Il faudrait que les gens d'abord se méfient énormément de l'information qui est extrêmement jacobine. On nous parle toujours du théâtre privé. Il faut savoir que le théâtre privé n'existe qu'à Paris, qu'ailleurs, tout est théâtre public. Et qu'il y a des choses qui se passent où ça marche magnifiquement bien, que ce soit théâtre de rue, théâtre de quartier, les interactions dans les appartements, dans les immeubles, dans les quartiers, les théâtres nationaux, les centres dramatiques. Et puis, dans le théâtre privé, il y a des très belles choses, mais comme le monde, c'est extrêmement mis en danger par des pures ambitions économiques, quoi, qui sont assez, assez rébarbatives, assez catastrophiques. Et puis, il y a un mélange des genres. Il y a des gens qui savent pas. Si vous voulez, Rubinstein un jour était interrogé. On lui demandait qu'est-ce que vous pensez des musiciens en ce moment. Et Rubinstein avait dit il y a de très bons violoncellistes, de très bons pianistes, de très bons violonistes, de très bons harpistes, mais il y a très peu de bons musiciens. Et j'ai envie de dire qu'il y a beaucoup de gens qui jouent au théâtre, qui font du théâtre, qui font du cinéma, qui font de la télé, mais il y a très peu de vrais comédiens. Et ça, je le pense vraiment. Et je l'affirme, même si je veux me faire des ennemis. Mais je l'affirme. Vous n'aimez pas la réalité. Ça jette un froid. Non. C'est parce que c'est vrai, quand même. C'est vrai, parce que si vous saviez le nombre... Et là, je m'en mais fous. Moi, je m'extrais du truc. Oui. Mais c'est pas moi. Si vous saviez dans quel état je suis avant d'entrer en scène. Mais je joue en ce moment avec... Vous connaissez Dominique Valadier? Dominique Valadier est une des plus grandes actrices mais françaises. C'est inimaginable. Très peu, le grand public ne la connaît pas. Je peux vous en citer, mais Gilles Privat, Audrey Bonnet, Georges Escalé, plein de gens comme ça, que les gens ne connaissent pas, et qui sont des acteurs, mais hors normes. Donc c'est vrai que parfois je suis un peu agacé de voir de fausses monnaies, de temps en temps, de voir briller les fausses monnaies. Voilà. Vous n'aimez pas la réalité. Je me suis toujours demandé si vous n'avez pas fait du théâtre pour vous éloigner du monde en parce qu'on sent bien que vous avez un regard comme ça un peu. Ouais, bon. Le théâtre c'est mieux quoi. Non, j'ai pas de mépris. Attention. J'ai pas dit mépris. Non, mais parce que quand vous m'avez imité, c'est de. Non, mais bon, non, vous voyez. Non, j'ai aucun mépris. Non, je ne pensais pas à du mépris, pardon. Non, j'ai pas de mépris. Par contre, j'ai une grande trouille. Hein, ça, c'est vrai. J'ai trouille de. Bon, alors là, je ne vais pas me mettre sur le divan, mais enfin. Non, mais... C'est vrai que. Beaucoup de choses me font très peur. D'abord, l'autre, tout bêtement, me fait peur. Et c'est pour ça qu'une masse noire, je me sens chez moi. Je fais le pitre. Ah oui, c'est vrai. Vous avez vu comment j'étais avant d'entrer. J'étais pas si flamboyant. Mais non, je me suis demandé si vous alliez venir jusqu'ici. Et moi, je peux. Mais je. Non, c'est vrai. J'ai demandé s'il allait bien parce que je peux le confesser. Par exemple, il m'est arrivé ou de mettre en scène ou de tourner avec des monuments comme Gérard Depardieu, Isabella Gianni, enfin, j'en passe. Et quand je les vois, je suis intimidé comme une midinette. Et pourtant, on a partagé plein de trucs ensemble. On a vraiment énormément partagé de choses ensemble. Et puis, je reste un peu terrorisé. Quoi. Je suis comme ça, que vous voulez que je vous dise. Moi, je peux rien. Vous savez, il y a une scène que vous racontez. Vous m'y faites penser à l'instant parce que j'avais oublié de vous en parler. Et en la lisant, je me suis dit, c'est pas croyable. Vous racontez, et vous allez me raconter la suite, mais le début de l'histoire, c'est vous êtes en Avignon.
Il paraît que c'est comme ça. L'histoire avec Patrice Chéreau. Avec Patrice Chéreau. Ah, ça, c'est la plus belle. C'est incroyable de voir deux. À l'époque, ils étaient tous les deux des superstars. La poésie pure, hein. Et... Ah, oh, c'est pipé à son âme, parce qu'en voilà un monument. Voilà. Enfin, bon, bref. Et donc, on se retrouve dans un hôtel où il était, moi aussi, et il se trouve que je me lève toujours très tôt, et lui aussi. Et donc, il y avait la salle des petits-déjeuners, et comme moi, il aime bien la salle des petits-déjeuners, j'imagine, parce qu'il fait sa revue de presse, et puis parce qu'on peut se bourrer de pain au chocolat. Et donc, premier jour, je dis, merde, Patrice Chéreau. Il est à la table... Je passe, je fais. Il se retourne, je fais. Deuxième jour. Troisième jour. Bonjour. Bonjour. Quatrième jour. Bonjour, ça va? Ça va et vous? Sixième jour. Bonjour, ça va? Ça va et vous, ça va bien? Oui, ça va. C'était ça pendant 10 jours. C'est incroyable. C'est un des plus grands souvenirs de ma vie. Ah, c'est incroyable pour lui, quand on lit ça. Mais pour moi, c'était un des plus grands poètes de l'histoire du théâtre. C'était un homme absolument génial. Et cette relation-là disait tout. Voilà. Ah, mais ça, ce silence, de la. Ah, je sais pas, j'ai trouvé ça. De la difficulté, finalement, ouais, de parler à un autre alors qu'on parle. Alors que ce type était un des types les plus flamboyants, les plus énergiques, les plus fous. Ouais. Et moi, c'est pas mal non plus. Que vous admiriez beaucoup avec lui. Et je sais pas, c'était impossible de. Ouais. On était comme ça, comme deux animaux. Ah, ça m'a énormément touché. Et formidable, cette histoire. Je trouve qu'elle dit beaucoup de choses. Je trouve ça magnifique. Ouais. Ouais. Et oui, alors, vous n'aimez pas la réalité. Et alors, je me suis dit, et c'est colère qui prend. Parce qu'il se trouve que j'ai été journaliste dans ma vie, que je faisais l'interview du matin sur une radio tous les matins, et je vous ai invité à deux reprises. Parce que vous étiez quelqu'un, non pas parce que vous étiez connu pour vos talents, mais parce que vous étiez quelqu'un de la société civile et qui était très intéressé par l'information, qui suivait ça de manière régulière, qu'on ne vous entend pas beaucoup là-dessus, alors que vous avez un avis qui vaut largement parfois l'avis de gens qu'on passe à l'antenne et qui sont probablement des professionnels de la politique, paraît-il. Voilà. Et donc, je vous avais invité à ce titre sur des événements qui nous concernaient tous. C'est-à-dire, ce n'était pas un événement politicien, mais c'était un événement dont les conséquences allaient tous nous toucher. Et je voulais avoir votre avis parce que je savais que ça passerait sans filtre et que vous auriez une réaction comme ça de quelqu'un de concerné qui n'a de compte à régler avec personne, qui n'a pas envie qu'on vote pour lui, et qui allait exprimer exactement comme il le pense ce qu'il avait envie de dire. Oui. Alors, j'ai essayé de réfléchir et de travailler là-dessus. Et ce que j'ai dit dernièrement, ce que j'ai fait une intervention dernièrement assez politique, je disais, ce qu'il faut, c'est avoir une conscience très aiguë de la responsabilité de la parole publique. Ce que je n'avais pas forcément toujours. Parce que, comme disait Musset, mon cœur a oublié ses leçons, lui qui ne sait pas lire. Et parfois, c'est la tripe qui partait, c'est mon cœur qui partait. Et j'étais presque parfois vulgaire. J'attaquais ad hominem, j'étais très 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 violent. Alors quand il s'agit d'Éric Zemmour, je ne regrette rien, car il ne mérite que ça. Il mérite même plus physiquement, c'est une horreur, mais sinon je regrette beaucoup, et là ce que je viens de dire je le regrette encore parce que c'est un peu idiot, parce qu'il faut se méfier beaucoup de ça, il faut se méfier beaucoup du manque de réflexion dans la réaction. Qu'est-ce qui se passe à l'heure actuelle? On ne pense plus, on réagit. C'est le terme, c'est vrai, l'expression même de la réaction, et cette façon de réagir très vite à tout, de ne pas prendre le temps de penser, de croire immédiatement à ce qu'on vous raconte, alors qu'il y a des mensonges qui se baladent, mais pas seulement sur Facebook, pas seulement sur les réseaux sociaux, mais les politiques n'arrêtent pas de mentir. Comment voulez-vous qu'un type qui vous dit, vous savez que le chômage a baissé de 13% ou non, c'est faux, je vous dis que c'est vrai. Bon, le chômage a monté. Comment voulez-vous intervenir? Personne ne peut répondre contre ça. C'est terrible. C'est ce qui s'est passé dans le débat que je vais essayer de rejouer, parce que je trouve ça trop génial, entre Mitterrand et Chirac. Chirac, qui était quand même un grand politique, se fait piéger complètement. Il fait, monsieur Mitterrand, osez, regardez-moi dans les yeux, et osez me dire que vous n'étiez pas au courant de l'affaire Gordy ou je ne sais plus quoi. Gordy. L'autre, c'est très facile.
Il fait, je vous regarde dans les yeux et je vous le dis. Qu'est-ce que vous voulez foutre? C'est fini, on ferme le banc, on s'en va, on coupe la télé. Et c'est l'histoire de l'eau de Trump et compagnie. Non, mais c'est terrible, ça. Donc, il faut extraordinairement se méfier. Mais le danger aussi de ça, c'est que je ne veux pas, je l'ai dit l'autre jour, on dit, vous êtes un acteur engagé. Alors d'abord, on me convoque parce que je devais parler de je venais pour parler de mon actualité, c'est normal, pour essayer de partager, de dire, voilà, il y a ça qui joue, c'est très beau. Si ça, c'est totalement coupé, je n'ai pas de légitimité à m'exprimer. Vous comprenez ce que je veux dire? Si je suis quelqu'un qui est en train de parler de ce qu'il fait et qu'au demeurant, on me demande de prendre une position, c'est de mon ressort et je ne critique absolument pas mes collègues qui disent « faut pas parler politique, moi j'y arrive ». Ils ont leur raison et je comprends très bien qu'on veuille se taire parce que c'est très responsabilisant et c'est très difficile et ça peut être dangereux parce que ça peut être pris de travers. Je vous prends un exemple très concret. Je vous demande vraiment, c'est important pour moi. Je me retrouve chez Delahousse avec Ségolène Royal. Et à un moment... C'était quand? Et en plus, j'avais fait sa campagne, donc c'était j'étais pas gêné. Oh, c'était il y a... C'était en 2007. Au moment où, au moment où elle était dans le bas de la courbe et elle commençait à remonter. Il y a 2 ans. Beaucoup plus tard. Et Delahousse me dit, alors, pour vous, c'est qui Ségolène Royal? Et sans me méfier, je dis « has-been ». Et je prends un temps et je dis « mais méfions-nous, souvenez-vous des has-been, des Chirac, des Mitterrand, des tout ça ». Je prends un temps, ouais, mais sur tous les réseaux sociaux, Ségolène Royal, has-been. Jacques Weber, has-been, tac, on coupe. Vous vous rendez compte du danger? Et bien maintenant, je prends un risque en racontant ça, parce que j'espère que ça va être compris, mais ça m'a tellement marqué. À un moment, on m'interroge sur les gaz toxiques pendant la guerre en Irak. Et je dis, comme ça, je dis, oui, c'est absolument effrayant, etc. Mais je dis, mais il ne faut pas... Mais en même temps, pourquoi d'un seul coup se privilégier ce cri d'horreur alors même qu'il y a des massacres à l'arme blanche, on éventre des femmes enceintes à l'arme blanche et que la guerre est là partout. Et je m'embarque et je m'échauffe et je dis, puis il y a la continuité du malheur. Il y a l'événement du malheur et la continuité du malheur. Et je dis tous ces malheurs qui perdurent dans le monde entier en ce moment. Et je dis tout ça parce que j'avais mangé avec des habits libanais et palestiniens la veille. Je dis, prenez Gaza. Ce malheur persistant qui continue, qui est inadmissible. Le lendemain, j'ai reçu des lettres de menaces parce que j'étais un antisémite. Et je... Voilà, ça fait pleurer. Je vous le dis parce que je m'en suis parmi. Quoi. J'aurais toujours droit de dire que Netanyahou est un extrême droite épouvantable, mais jamais de ma vie, il y aura. Non, je ne sais pas pourquoi j'ai eu envie de le dire, pardonnez-moi, mais c'est ce genre de choses. Vous savez, mon cher Jacques Weber, il y a des moments où on est heureux de voir que l'acteur n'est pas simplement l'acteur. Voilà. Et ouais. C'était la preuve. Alors, pour finir, j'ai choisi de vous demander de lire, 15 lignes. Mais ce sont 15 lignes, elles font du bien. Je trouve. Mais je voulais, pour tout dire, je les ai proposées à Jacques Weber avant, et il avait l'air de penser que ça faisait effectivement du bien à tout le monde. C'est un texte de Musset. Oui, elles sont célébrissimes, mais... Elles demeurent éternelles, je ne vais peut-être encore pas très bien les dire, mais bon. Parce que c'est tellement beau, c'est tellement... Tous les hommes sont menteurs, inconstants, faux, bavards, hypocrites, orgueilleux et lâches, méprisables et sensuels. Toutes les femmes sont perfides, artificieuses, vaniteuses, curieuses et dépravées. Le monde... n'est qu'un égout sans fond, où les phoques les plus informes rampent et se tordent sur des montagnes de fange. Mais il y a au monde une chose sainte et sublime, c'est l'union de deux de ces êtres, si imparfaits et si affreux. On est souvent trompé en amour, souvent blessé, et souvent malheureux,
Mais on aime. Et quand on est sur le bord de sa tombe, on se retourne pour regarder en arrière et on se dit « J'ai souffert souvent, je me suis trompé quelquefois, mais j'ai aimé. C'est moi qui ai vécu et non pas un être factice créé par mon orgueil et mon ennui. » Je vous ai demandé de le lire parce que, voilà, je pense qu'on ne pouvait pas mieux terminer ces trois journées. Malgré le progrès, reste aimé. Et voilà, je trouve que vous avez été comme ça, la lumière qui restera, comme ça, un instant de beauté et de, voilà, de clarté pour finir ces trois journées où des choses... toujours intelligente, mais parfois difficile à entendre, parfois heureuse, mais voilà, oui, et tout. Et on avait besoin de ce halo de clarté. Merci d'avoir été avec merci nous. Merci à vous, merci. Voilà. À bientôt. Au revoir.